à la corde avec une gomme car les équilibres dans l'entrée à l'extérieur. À moins que les sommets de la rue mal s'en va. Mathieu, bon bah c'est pas vraiment une surprise de l'avoir gagné. Non, non, après on savait qu'elle allait bien courir au moins dans les trois. On s'attendait au cheval à Johan, il n'était pas encore prêt, ma jument elle a été bonne. De A à Z, facile tout le temps, bien dominée tout le temps. Elle a fait la différence aujourd'hui. Ouais, elle aime ça dominer. Ouais, ouais, c'est ça, faut être devant, faut pas qu'elle tire. Faut pas qu'elle soit attaquée, sinon elle se met en route et elle a fini moins bien. Donc là, ça s'est bien passé comme dans un plateau. Toute la route 14, impeccable. Quelle forme pour toi? Ouais, pourvu que ça dure. Qu'est-ce que tu veux? Grégory, deuxième, tout sourire. Bah extra, hein, si tu veux demander de mieux. Tu t'attendais à cette performance avant le coup? Non, pas trop. Sincèrement, non, 3-4, bien, et deuxième encore mieux. Qu'est-ce qui t'incite à venir dans ce semi-classique? Elle avec ça, et puis bah je crois que les bons, les vrais bons, sont pas trop là. Donc bah t'en as profité, et cette deuxième place, bah, ça ouvre des perspectives? Ouais, bah maintenant, que ça, avec des semi-classiques ou des classiques, je pense, maintenant. Et armé, bien armé, là, dans la jeune génération, on voit que toi, depuis 3-4 mois. Non, non, mais non, bah, ça se déroule bien, c'est les chevaux. Prochain gagnant de Grégory Torelli? Bolide Genilou, le 28, normalement. Anthony Bikini dans le dernier tournant, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a poussé un petit peu à droite? Oui, le premier coup qu'il avait des bouches-oreilles et puis les coquilles descendantes. C'est un grand bêta, il sait pas encore ce qu'il doit faire et il s'est retrouvé perdu et il a poussé un coup à droite, un coup à gauche, il savait plus. Mais pourtant avant il venait vraiment presque comme un gagnant. Oui, non, il allait bien. J'en ai toujours fait un très bon cheval et le truc c'est qu'il est bête. Il a pas... C'est un adolescent et il est en pleine crise d'adolescence, il a besoin de mûrir un petit peu. Il y a du pour et il y a du contre donc aujourd'hui? Ouais, non, déjà il évolue bien, hein. Il marche 15,5, 2007, c'est un grand cheval qui va demander qu'à vieillir je pense. Non, c'est encourageant. On poursuit donc dans la série des semi-classiques? Bah on va plus avoir trop le choix, hein. Avec les gains qu'on a, tant pis.